Bonjour à tous et bienvenue sur Jesso Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un gameplay mais qui va être un quiz. Et puis ben voilà, essayez de répondre avant que vous avez la réponse sur la vidéo, forcément, ce serait mieux. Voilà, donc on va y aller. Avant la compétition, vous devez vous échauffer. Ok. Excusez-moi. Parmi ces pays, lequel a obtenu le plus de médailles aux Jeux de Pékin? Bah la Chine. Question suivante. Quel pays a remporté le plus de médailles aux Jeux d'Athènes en 2004? Ce serait la Chine toujours? Eh non, c'est les deux. Combien de fois les États-Unis ont accueilli les Jeux Olympiques d'été? Je dirais une fois ou deux. Ah non, c'est 4 fois. Parmi ces pays, lequel est le plus peuplé? La Chine, hein, sans hésitation. Antigua et Barbuda est un pays d'Océanie, d'Amérique du Sud ou des Antilles? Bah, je dirais des Antilles. Alors, quelle année se sont déroulés les Jeux de Montréal? Allez, au pif! 84. Dans les 7 pays, lequel a obtenu le plus de médailles aux Jeux de Pékin? Je dirais le Canada. Ouais. Aux Jeux, quel est le code de l'Italie? Je dirais ça. Bon, ça, on n'est pas trop mal. Bon, je suis honte. Il faut répondre à 8 questions, 6 bonnes réponses, on passe la manche. Quel pays a remporté le plus de médailles aux JO d'Atlanta? Je crois entre 4. Russie, Royaume-Uni, États-Unis, Chine. Peut-être Russie. Quelle est la ville organisatrice des Jeux Olympiques d'été en 2008? Athènes. Ah oui, c'était Pékin, mince. La Guinée-Bissau est un pays d'Afrique d'Ouest. Aux JO, quel est le code de la Guinée? Quelle a été la ville organisatrice des Jeux Olympiques d'été en 2004? Barcelone, c'est Athènes, forcément. Parmi ces pays, lequel est le plus vaste? L'Inde est très vaste. Hein, ouais. Parmi ces pays, lequel a obtenu le plus de médailles aux Jeux de Pékin? Le Zimbabwe ou l'Éthiopie? Voilà. Au JO, quel est le code du Liban? Je me ferai Lib. Parmi ces pays, lequel a obtenu le plus de médailles au JO de Pékin? Slovénie, Ukraine. En quelle année sont déroulés les Jeux de Sydney? 88 ou 2000? 2000. Quel est le drapeau de Trinité et Tobago? ça? Non, mais alors c'est l'autre, forcément. Et quel pays a obtenu le plus de médailles? L'Espagne. Excusez-moi, j'ai pas trop le temps de lire les questions, hein, quand même. Hein. C'est très marathon comme truc, quand même. Hein. Voilà. Enchaînez les bonnes réponses pour augmenter votre bonus. Vous n'avez que 14 secondes par question, 4 bonnes réponses, qualification pour la manche suivante. Ok. Au JO, quelle école de Malte? MLT. Quel drapeau de la Moldavie? Parmi ces pays, lequel engage le plus d'athlètes aux Jeux de Londres? La Suisse. Non, c'est l'Ukraine. Au JO, quelle école de la Moldavie? Moi, je suis assez. Le Bhoutan est un pays du sous-continent indien. Voilà, c'est ça, oui. Lequel ces pays plus d'athlètes? La Chine. En même temps, ils ont tellement de gens là-bas pour les foot, hein. Les JO de Tokyo. 2008. Ah, c'était pas 2008. Le JO, quel code des Seychelles? Je mettrai Seychelles. Fin de la manche. Bon, on a fait un beau score ou pas? Ouais. Moi, je suis morte. Répondre au maximum des questions en 60 secondes. Vous perdez 5 secondes par mauvaise réponse. Eh ben, ça va aller vite, hein, je sens. Bah oui, le CP, lequel est plus vaste? Combien les États-Unis ont-ils obtenu de médailles aux Jeux de Pékin? Contre 25. 110! Ah la vache! Combien de sports sont en compétition aux JO de Londres? 37? 37, c'est beaucoup aussi. Quelle nation défie la première lors de l'ouverture des JO?
Pays organisateur, parce que l'Alsace, j'ai hésité entre les deux. Quel pays a Bussau pour capitale? La Guinée-Bissau, hein, c'est logique. Le plus vaste, le Kenya, l'Afghanistan, le Tchad, le Kenya? Non, c'est le Tchad. Eh ben, je suis pas très bonne, hein. On va rejouer? Allez, on rejoue. Alors, je vous en applique, la France a-t-elle boycotté? Bah, là, j'ai dû boycotter les JO, on est clean, hein. Enfin, c'est le pays lequel est le plus vaste? La Papouasie-Nouvelle-Guinée? Je ne sais même pas ce pays-là. En quelle année se sont déroulés les JO de Barcelone? 92, en fait. Quelle ville a organisé les Jeux Olympiques d'été en 88? Atlanta? Enfin, c'est le pays lequel est le plus peuplé? La Russie. La République Dominicaine est un pays... Dominicaine, l'Asie du Sud-Est, Europe du Sud. Enfin, oui, c'est le pays lequel est le plus vaste? J'ai la Thaïlande. Mais c'est le pays qui a obtenu le plus de médailles. J'avais l'Italie. Ça, c'est pas simple, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup, beaucoup les JO. Donc, voilà, bon, comme tout le monde, quoi, je veux dire, un petit peu, mais pas non plus branché 24 sur 24, donc ça, c'est pas plus dur. Quelle capitale de la Roumanie? Sofia. Bucarest. Oh. Quelle ville a organisé les JO 92? Munich. Plus vaste. La Turquie. Ouais, c'est la ville. Plus peuplée. Plus peuplée. Quelle capitale de Malte? Regarde, je crois que c'est Valette. Quelle année se sont déroulés les JO de Los Angeles? 72, enfin, c'est 84 forcément, hein, de toute façon c'est toujours comme ça. Pologne. Le Sénégal est un pays d'Afrique australe. Ah, c'est Afrique de l'Ouest. Bon. Sri Lanka. Qu'est-ce que c'est? Côte des États-Unis. Il y a ça. Lituanie est un pays. Mais ils sont chiants avec ces conneries là. D'Europe du Nord, d'Europe du Nord. Budapest. Budapest, c'est la Hongrie. Non mais oh. Je suis pas forcément mauvaise, mauvaise non plus, hein. Faut comme pas. Bon là j'ai quitté par seconde par question. Paris c'est ville lequel a déjà accueilli les Jeux Olympiques. Bah ah non, j'ai fait la Jeux Olympiques, d'accord. Quel pays a remporté le plus de médailles aux Jeux de Barcelone? Chine. C'est Russie, forcément. Quel pays le plus peuplé? Kazakhstan, Ukraine, forcément. Lequel engage le plus d'athlètes de JO de Londres? Taïwan. Le Ghana est un pays d'Afrique de l'Est, Ouest, Australie, Orient. Allez, non, c'est l'Ouest. Capitale de Tonga. Nuku'alofa, vous l'assurez? Parmi ces pays, lequel a participé à toutes les éditions des JO modernes? Les États-Unis? Ah non, la France! Hey. Quel est le drapeau des Bermudes? Bon, bah voilà, c'était clairement catastrophique. Hein. Donc, je vais vous laisser, puis je vais partir sur le jeu, je vous disais tout à l'heure, de JO. Bah pour vous, ça va pas être long, hein, de toute façon, ça va être juste après. Mais pour moi, faut que je cherche. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon quiz de géographie. Donc on va pouvoir y aller. Donc là, c'est toujours l'échauffement, hein, de toute façon, comme d'hab. Donc voilà. Allez, c'est parti. La capitale des USA, Washington ou New York? Je crois que c'est New York. Ouais, non, c'est Washington. Ça commence bien. Quel pays a Madrid pour capitale? La principauté d'Andorre ou l'Espagne? L'Espagne. Qui a la capitale? L'Uruguay. Paramaribo, Jorjoto. Je pense que c'est Paramaribo. Mon vidéo. Voilà. Quel pays a Lisbonne pour capitale? Le Portugal. Qui a la capitale? Le Canada. Québec, Ottawa ou Montréal? Je pense que c'est Ottawa. Quel pays a Singapour pour capitale? Singapour, la Thaïlande, les Philippines ou le... Tu vois, c'est Singapour. Quelle est la capitale? L'Andorre, Madrid, non, Bruxelles, non. Bah, Andorre la veille.
Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. Fin de la manche. Excusez-moi, j'ai pas trop le temps parce que c'est chronométré en fait. Plus on est rapide en fait, plus on a un score bon pour les points quoi. Donc bon. La compétition commence. Répondez à 8 questions. Vous pouvez choisir le nombre de réponses proposées. 6 bonnes réponses égale qualification pour la manche suivante. Ok, bon, on y va. C'est la capitale de la Lettonie. Choix entre 2, 200 points. Choix entre 4, 500 points. Choix 4. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un peu comme ouais, le célèbre jeu sur TF1. Je trouve que c'est mal, mais... non, c'est Riga. Quelle est la capitale de l'Estonie? Choix entre 2, Riga ou Tallinn. Riga, on a, c'est Tallinn, forcément. Quel pays a Port-Louis pour capitale? Les États-Unis, non, c'est Maurice. Quelle est la capitale de la Hongrie? Je suis distante, bon, ça va, Budapest. Quel pays a Tripoli pour capitale? La Syrie? Ah non, c'est la Libye. Bon, on est bien parti, moi, je trouve, hein, que des bonnes réponses, là, hein. Quelle est la capitale du Costa Rica? Bon, bah, c'est Saint-José. Donc, c'est pas l'autre. Quel pays a Bangkok pour capitale? J'en sais rien. On va être la Thaïlande. C'est ça! Chouette. Quel pays a Berlin pour capitale? Berlin, c'est l'Allemagne. Quelle est la capitale de Saint-Marin? J'en sais rien. On va être Saint-Marin. Quel pays a Asunción pour capitale? J'en sais rien. Bah, le Paraguay. Quel pays a Helsinki pour capitale? Helsinki. C'est la Finlande? Ouais, c'est ça. Quelle est la capitale de la Croatie? Entre deux, Zagreb ou Split? Zagreb. Pas la manche. Ouf! Eh ben dis donc, c'est... Ah oui, c'est un marathon, oui, je comprends mieux. Enchaînez les bonnes réponses pour augmenter votre bonus. Vous n'avez que 7 secondes par question. D'accord. Donc, en gros, je ne peux pas forcément vous lire toujours la question. Parce que 7 secondes par question, c'est très rapide. Quel pays a Narabouille pour... Tanzanie, non, c'est Kenya. Quel pays a Sao Tomé pour capitale? Sao Tomé, Principe. Quel pays a Sanaa pour capitale? La Jordanie, non, c'est Yémen. Quel pays a Libreville pour capitale? Ça? Non, c'est Gabon. Quelle est la capitale de, de l'Albanie? Le Zagreb, Tirana. Quel pays a Amman pour capitale? Le Liban, non, c'est la Jordanie. Quel pays a Accra pour la capitale? Le Ghana, ouais. Quelle est la capitale de l'Argentine? Buenos Aires. Le mieux est de recommencer. Donc en gros, là, on a eu le droit de gagner, le droit de rejouer. Donc en fait, comme quoi, je ne suis pas si bonne que ça en géographie, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. J'arrive à me dépatouiller, mais pas, je suis pas non plus une bosse. Hein. Donc on va recommencer une dernière fois, hein, quand même. Avant la compétition, vous devez vous échauffer. Quelle bonne réponse. C'est parti, hein, de toute façon, vous êtes plus principe maintenant. Quelle capitale de la Lituanie? Vénus. Capitale de l'Algérie? Alger. Quelle est la capitale de la Tunisie? C'est Tunis, je crois. Ouais. Quelle est la capitale de Taïwan? Séoul. Non, c'est Taipei. Quelle est la capitale de Corée du Sud? Bah, c'est Taipei. Et non, c'est Séoul. Quelle est la capitale de Luxembourg? Luxembourg. Quel pays a Ankara pour capitale? La Jordanie. Non, c'est la Turquie. Quel pays a Lisbonne pour capitale? Le Portugal. Enchevante. Là, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est un point d'habitation. Quel pays a Londres pour capitale? Le Royaume-Uni. Quel pays a Katmandou pour capitale? Katmandou, c'est le Népal. Si j'ai rien éteint. Quelle est la capitale de Salvador? Saint-Salvador. Quel pays a Mexico pour capitale? C'est le Mexique. Quel pays a Kaboul pour capitale? Kaboul. L'Afghanistan. Quel pays a Skodje pour capitale? Skodje, Luxembourg. Ah, ça, c'est vite en fait. Quelle est la capitale de la Bosnie-Herzégovine? Zagreb. Quelle capitale de Pologne? Pologne Varsovie. Quelle capitale de la Mongolie?
Ulaanbaatar. Quel pays a Zagreb pour capitale? Quel pays a Zagreb? Zagreb, je sais pas. Pourquoi c'est le pays? Alors, quelle est la capitale de la Roumanie? La Roumanie. Tirana, Bucarest, Budapest, franchement. Corée du Nord, Séoul, non, c'est Pyongyang. J'aurais dû me douter, tiens, vu le nom. Alors, manche suivante. 7 secondes, comme tout à l'heure. Quel pays a Amman pour capitale? Jordanie. Quelle capitale du Mozambique? Maseru. Non, c'est Maputo. Quelle capitale de Trinidad et Tobago? Oh, vache. Bon. Quelle capitale de l'Albanie? Belgrade. Quelle capitale du Tchad? Ça. Quel pays a Damas pour capitale? Damas, Syrie. Quel pays a Tashkent pour capitale? L'Ouzbékistan. Quel pays, quelle est la capitale de Malte? Malte, tu veux Riga? Valette. Manche suivante. Vous perdez 5 secondes par mauvaise réponse. Répondez un maximum de questions en 60 secondes. Eh ben, dis donc! Attends, je vais boire un petit cul avant parce que là. Et là, on dit qu'on est au sprint, hein. Alors, quelle est la capitale de machin. Ça. Quelle est la capitale de Sanskrit, machin, ça. Quel pays a deux domaines, excusez-moi, j'ai plus le temps de vous lire les questions, c'est fini. Hop là, alors. Somalie. Ça, non. Riga. Non. Ça, ouais. Castries. Saint-Vicie. Sénégal. Quel est le Sénégal? C'est Dakar. Canada, c'est Ottawa. Liechtenstein, c'est. Je sais rien. Vous n'êtes pas connecté les yeux, on s'en fiche. Non, j'ai pas publié mon score, ça sert à rien. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit quiz comme ça, histoire de changer un peu de gameplay. Donc voilà, puis pour voir un petit peu mes capacités aussi, en tant qu'affaire. Voilà, en espérant que ça vous a plu, et puis que vous avez passé une bonne vidéo, voilà. Bon, moi, je vous laisse les gamers, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux gameplays, nouveaux jeux, ou nouveaux quiz, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, prochain coup, on verra bien. Surprise. Allez, à bientôt les gamers.